ce petit boudin. Pas si petit que cela, les ballons mis au point par la jeune société rochelaise HiPoint. Au Grand Pavois, en démonstration, ils ne sont pas passés inaperçus. Ils permettent de monter des bateaux un mètre au-dessus du niveau de l'eau. Le principe est un peu plus simple. La soufflerie injecte de l'air qui est en basse pression. Donc on est à 0,3 bar. On pourrait le faire à la bouche, sauf que ça serait très très long. Et avec le volume des ballons, on va pouvoir soulever le bateau ici présent. Là, le bateau fait 2,5 tonnes et avec ce système, on peut soulever 36 tonnes. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette surélévation ne permet pas des travaux de carénage. Ils sont strictement interdits sur l'eau. Mais en cas d'avarie, on peut réparer. Par exemple, sur un catamaran qui a besoin de changer une hélice, on vient glisser un coussin dessous, on met de l'air dedans, le catamaran se soulève et on peut du coup intervenir au niveau des hélices, par exemple, ou d'une sonde. Autre application, faire passer des bateaux à quilles là où le tirant d'eau n'est pas suffisant. On a le projet d'une goélette qui est en ce moment en rénovation dans un chantier et qui doit ensuite être transportée par la route. Mais pour accéder au point de déchargement, il y a 3 km à faire. Et 3 km dans une eau qui est trop peu profonde. Et donc on a projet pour projet de faire ces 3 km en soulageant le bateau avec 4 coussins gonflables. La jeune société rocheuse emploie pour l'heure 5 personnes. Elle développe ses prototypes en espérant qu'un marché va se créer pour ses activités.